Soir de votre bar. Vous allez bien? Oui, hey, vous allez mieux que tantôt quand Thierry vous l'a demandé. Donc, sans plus attendre, on va commencer ça avec le classique fusillade. Donc, ça va être 30 secondes par joueur. Toute l'équipe doit y passer. C'est bon? Rendu là, on comprend un peu le principe. Caucus, 30 secondes. Pour 30 secondes, votre terme sera ordinateur. Maudit voyons, patin! Hein? C'est que c'est ça? L'ordinateur ne reconnaît pas l'imprimante. Imprimante, ordinateur, ordinateur, imprimante. Come on! Je suis pas de la bonne génération. Air. Ça marche pas. Votre thème sera système de son. Système de son. Ça va être bien forte cette musique-là. C'est sacrifice. Un peu là, je vais essayer de baisser le son moi-même. Parleur de... Maudit. T'as dit, moi, dans un bar, pis que la musique est aussi forte que ça. Sacrifice. C'est bon. Ça va être un peu mieux, là. C'est bon. Votre thème sera l'exil. Ouais, je suis allé voir le roi, je l'ai envoyé chier. Il a le droit de mettre en exil. Je sais pas c'est quoi, mais écoute, ils m'ont rompu à face site. C'est pas mon choix, mais écoute, faut que je me dise que ça l'est. Ah ouais, ils m'ont rompu ici, tabarnouche. Je vais me faire une vie ici, à côté du royaume. Je vais planter mes propres patates, mais faut leur lancer. T'es peu, les tomates, c'est un petit peu plus comme. Oh ouais, à faire pousser des tomates. Oh ouais, il en mérite. Oh ouais, 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 ouais. Fuck you! Votre thème sera cabochon. Là, si je mets ça par-dessus ça, c'est supposé donner peut-être...
peut-être de l'autre sens, là. Attends. Peut-être faudrait que je le mette là. C'est quoi cette affaire-là? Peut-être que ça va me faire rebondir. Café. Quoi? Ben là, j'ai toujours eu pas de bras. Je suis née de même. Je suis capable de prendre mon café, par exemple. Ça, à chaque matin, là, je fais partir la cafetière. J'entends que ça coule. Je m'approche de la cafetière. Ah, belle, là. Pas besoin d'avoir de bras pour être heureux, là. Je te dis, là, moi, tant que je prends du café, tout est good, là. Tu sais, hey, on va se mettre un peu de lait là-dedans. Ouh, le frigidaire, hein. Bon, on a plein de lume. Lézard. Linge sale. Oh non, j'ai plus de lavage, j'ai plus de bobette. Oh, mais je sais pas comment ça marche dans la lavage. Ben, j'ai plus de jeans à mettre non plus. Oh non, tu sais, je suis rendue à 17 ans, je suis pas capable de faire mon lavage. J'ai la flemme, hein. Mais pourquoi mon lavage? Linge propre. J'ai fait mon lavage. J'étais assez content. J'en ai parlé avec le monde autour. Puis je me suis rendu compte que quand c'est propre, c'est bien mieux que c'est sale. Puis là, après ça, je me suis demandé, un Mexicain, savez-vous qu'est-ce que ça dit quand son linge est sale? Ça dit, c'est sale ça, c'est sale ça. Mon vieil est propre, propre, propre. Périmé. Maudit, monsieur! Le lait que t'as acheté, il était passé date! Ça n'a pas de bon sens! T'as laissé ça sur le comptoir, hein, je suis certain! Ça, c'est comme la mayonnaise! Tu n'aimes pas ça sur le comptoir! Ce lait-là, là, on dirait du bris! Mais non, c'est pas du quai bon, c'est du quai pas bon! Maudit! Monsieur! Cinq G. Pas quatre. Félicitations deux équipes, sur ce public, le point et la main. Bonjour! La prochaine improvisation sera de nature mixte, catégorie libre, ayant pour thème « Sans toi ». Nombre de joueurs illimité pour une durée de 2 minutes 30, caucus. Papa? Ah. Oui. Tu sais, on est allé visiter tes résidences. Ah oui? Oui. Oui, je m'en rappelle.
Ouais. Ça sentait pas bon. Ouais. Toi aussi, je te dirais, là, mais... Hein? Ouais. Quoi? Bon, suite à ça, papa... Ah. Je veux pas te faire de la peine, mais il faut qu'on apprenne à vivre séparément. Hein? Sans toi? Voilà. C'est ça, papa. Tu sais, on a une belle résidence, hein? C'est qu'il y a du... C'est quoi? C'est pas gagné. Ça donne bien à ta vie. C'est pas gagné. Non, moi. Non, mais moi, ça, c'est sans lui, j'aimerais mieux sans lui! Moi aussi, mais c'est un autre débat. Ouais. OK. Fait que là, papa... Je peux t'organiser ça, ma petite fille, j'ai encore mon 12 dans le sous-sol. Je suis venue pour vous accompagner, là, en fait, dans le placement de votre père. Oui, si vous êtes la travailleuse sociale. Oui, c'est ça, OK. Elle dit, parce qu'on vient de s'en parler, puis je pense que c'est lui qu'on va placer. C'est vrai que je vais le placer. OK, papa? Ouais. OK, là, pouvez-vous lui expliquer, parce que je pense qu'il comprend pas qu'il peut plus rester ici, là, pour qu'il apprenne. Oui, s'il te plaît. Peut-être que si je vais rester ici, je peux-tu? Ça se peut que ça soit un petit peu plus loin, papa. On va prendre l'autobus, là. Ils vont venir te chercher. Hein? On va aller au glissade d'eau? Oui! Oui, les baies civières, ça peut ressembler au glissade d'eau. Ça s'améliore pas. Puis à la vitesse qu'ils vont là-dedans, je te dirais que ça peut ressembler à un car wash aussi. Aïe! OK, ça va être le fun. Oui, tu vas voir, ils vont te laver vite, vite, vite sans te parler. Ça va être super le fun. Ça va être comme quand t'as moi, en tout cas. OK, c'est le point. OK, vous y expliquez, je pense que c'est pas clair encore. À tout moment, vous allez pouvoir partir dans votre imaginaire au glissade d'eau. Voilà. Parce que ça, je le fais déjà 17. Oui, mais là-bas, il va y avoir des gens qui vont pouvoir vous accompagner, qui vont pouvoir le faire avec vous, là. Puis ça va flinguer, en gros, là. C'est clair? Je pense qu'il a dit qu'il pisse. Il pisse? Oui. Il s'ouvre mes potes. Fait que ça serait bien que l'autobus, elle arrive, là, parce que ça en met un bon moment. Mais ça serait pas long, parce qu'il y a une tempête aujourd'hui, là. Ben, il est en train de pisser, il dit, là. OK, papa? Il est en train de pisser, là. C'est chaud! Ça dure pas longtemps. Pas encore, je suis plus capable. On vient chercher le vieux, là. Okay. De la force, c'est... On m'est tendu, vous autres! Est-ce qu'on a de la musique? Maestro! Donc, le point à la main! Donc, la prochaine improvisation sera de nature comparée, catégorie dictionnaire. Ayant pour thème cucul, nombre de joueurs illimité pour une durée de 2 minutes, caucus. Oui, Timothée, maman est partie. Elle est partie. Ben oui. Elle l'a dit avant moi qu'elle allait chercher la peine de lait puis qu'elle partait. Ben oui, c'est elle qui est partie, pas moi. Pourquoi elle est partie? C'est mes blocs Lego, elle les aimait pas. Je faisais pas des belles constructions. Il y en avait un ou deux qui étaient trop tannants. Je dirais pas qui, là, mais elle est partie. Ben oui. C'est pas grave, là, on est en... Oh là, hein! Il faut que j'aille aux toilettes! Es-tu capable d'aller tout seul? Ferais une petite pause. Je vais essayer! On va l'essayer. Ouais, on va l'essayer. J'ai fini! Peux-tu rentrer? Ça sent-tu la merde? Ça sent le cucul! Papa! Ça sent le cucul! Je sais que c'est le code qu'on s'est donné, là, mais c'est-tu cucul ou cucul? C'est cucul! Ça sent vraiment le cucul! Ah ouais, il rentre, là. Mais là, je peux pas partir! J'ai une culotte à terre! Sors pareil, là, on évacue! Oh! Et monte-moi mes culottes! Fais attention, là! Ah, c'est dégueulasse! Oh, fais du lavage, on va faire le lavage, là. Moi, je fais jamais le lavage, c'est maman qui le faisait avec partie au lait! Cette situation vous est déjà arrivée? Essayez le push-push anti-cucul! Vous enlèvera toutes les odeurs! L'anti-cucul, celui qui ne sent rien. Plus de cucul chez vous. Et voilà, tout le monde est heureux. Donc,
intéressant. Oui. C'est très intéressant. Ça va être beau. Ça va être parfait, ça va être beau, ça va être beau, beau, beau. Je commence. Oh. Je suis content, mes cours de macramé vont enfin me servir quelque chose. Oh, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ça, ça aura pas l'air trop cucu? Non, 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 c'est pas l'air cucu. Ils ont beau être super fort, ils sont tout petits peu cucu. C'est pour ça que quand j'étais jeune. Non, mais quelques coups. Ouais, quand j'étais jeune. Comment? Oui, je courais après les poules. Quand? Je leur voyais que. Qu'est-ce que ça là? Que Dieu, tu cucu, que Dieu? Tu sais, quand je courais à la poule. Depuis ce temps, je suis un peu comme toi, je parle avec une bouche qui se pouille. Oui, mais c'est bien plus confortable comme ça, tout le monde devrait essayer, voyons. Oui, mais ça fait trop venir les mouches et du jour. Ça nous donne un beau sourire. C'est comme le yoga du visage. Ne parle pas des gens qui parlent comme « Hey, ça n'a pas d'allure !» Non, 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 on est plus sophistiqués, on n'a pas parlé. Je dis plutôt « Hey, que tu fais là ?»« 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 Que tu fais là ?» J'en parle une nouvelle. Oh, incroyable. Elle va être belle, ma tortue. Oh. Que c'est beau. Oh, c'est aussi beau que toi. C'est fantastique. C'est fantastique. Ouais, ouais. Donc, cucul, je vous explique, c'est l'espèce de toge ample que portent les prêtres. Avec spécifiquement celui-là avec une capuche, comme les prêtres bénédictins. Là. Il y a également les évêques orthodoxes qui portent un chapeau orné qui s'appelle également la cucul. Donc, sur ce, on s'instruit. Allez-vous plugger ça dans vos parties de famille? Regardez ma belle cucul. Donc, la prochaine improvisation sera de nature mixte. Catégorie libre, ayant pour thème dépression saisonnière. Que pour 2 minutes 30, dépression saisonnière. Bon, bienvenue à Coach Ta Vie avec Super Sunshine. Ah oh ouais, j'ai tellement le goût de me remettre en forme, ça va me faire du bien, là. Oui, parce que là, on le sait, il pleut tout le temps, il fait frais, on a le goût de mourir. Ben non. En tout cas, on va vraiment ici pipe ta vie, là, tu sais, on va te donner de l'énergie. Regarde comment t'as de l'énergie. Ok, on parle de la musique. Oh oui, c'est ça, puis là, on peut danser. Là, je vais te donner du café, du Red Bull, là, tu sais, prends une tasse de café, on met du cognac dedans. Ça va t'aider, je te jure, moi, ça m'aide à tous les jours, là, à tous les matins, 10h30, là, 10h, ouais. Okay. Essaye ça, ok? Ok. On s'en prend à chill. Chill! Hey, pète ta vie! Hey, c'est là, ça, il fait chaud, là! Caroline! Ok, je suis prête! Let's go! Let's go! C'est comme si t'étais dans une rave, là, pis là, il y a trop de musique, oh mon Dieu! Hey, monsieur, avez-vous besoin qu'on vous perde votre vie, vous aussi? Et là, je vous regarde depuis tantôt, pis... Monsieur! Qu'est-ce que... Oui. Vous pouvez venir avec nous, il y a un rêve. Ça ne réglera pas mes problèmes. Là, moi, Ah oui, c'est l'alcool. Non. C'est vraiment pratique, vous devriez... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça... On a besoin de renfort. Ça... On a besoin d'un autre coach de vie. Hey, Sunshine, je suis là. OK, super, funny. C'est Patrick Gorille. Ça me console, la main, mon pire comme moi. Hey! Ma gang! Qu'est-ce qu'on va tenir pour l'alcool? Écoutez-moi! Vous le savez, hein, dans la vie, on fait des dépressions, mais c'est à cause qu'on n'est pas assez dans le destin animal! Faut être un gorille, monsieur! Ok, let's go! Hey, tapez-vous, let's go. Tapez-vous sur le chien! Un, deux, trois! Ouais, c'est bon, c'est continue, let's go, continue! Gorille, toi aussi! Ça, c'est le truc, hein? Ouais, ouais! Il est heureux, là! Mais là, je passe pas une gorille, c'est ma démarche normale! Attends! Ah, t'avais quelque chose? Ouais! Le lendemain, t'es quelqu'un? Une banane! Oh mon Dieu!
Prends une banane de... Personne peut être triste en mangeant une banane, voyons! Je que je décernerai une pénalité de cabotinage à Michael Moras de l'équipe des Jaunes. La prochaine improvisation sera de nature comparée. Catégorie libre, ayant pour thème 2 pour 1. Nombre de joueurs illimité pour une courte durée de 1 minute 30. Caucus. Donc, 2 pour 1 pour 1 minute 30, c'est parti. Bonjour. J'espère que t'es content de me voir, que je fais ton affaire. J'ai juste une petite affaire à t'annoncer parce que des fois, il y en a qui sont pas mal déstabilisés par la situation. Dans les premières dates, on aime mieux être honnête. C'est lui, là. Bonjour! Bonjour! C'est quoi ton nom aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le même qu'hier. Ah oui? Je parlais à... C'était quoi ton nom hier? Johnny. Excuse. Faut que tu le vois comme, tu sais, si t'es pas content de moi, mettons, de journée, ben là, tu vas avoir un backup que peut-être que... T'sais, tu vas être satisfait dans tous tes côtés, orifices et tout ça, là. Cette photo Tinder, Qu'est-ce qui se passe, Coudon? Arrête de gigoter de même, là. Tu me tires, là. Malgré que ça peut peut-être. Mais là, c'est quoi? On va se ramasser. On va se ramasser quatre dans la même maison. C'est quoi ce soir-là, là? Qu'est-ce qui. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'il fait en arrière? Ah, il tripe fort. Hey, là! Faut que je sois au courant quand ça arrive. On a fait une règle. Deux pour un pour 1 minute 30. Non, ouais, chérie. Ouais. Il y a des beaux spéciaux, de fun. Ça fait-tu? Non, trop cher. On peut en faire un spécial. Ouais. Ah ouais, vraiment, j'ai cru! Pas de tabac! Ok, ça, on achète ça, Ah, il est beau spécial. Une chance, ça dure pas longtemps. Il est beau spécial. Ah, les bananes, on prend du tabac. Quoi, j'ai dit oui? Madame, tu t'en viens-tu, chérie? Ah ouais. Ah ouais, arrive! Viens-t'en, chérie. Là, on est. Ben voyons! Où est-ce qu'elle est rousse? Aide-moi! Ah, c'est normal. Ok, c'est normal. Ouais, c'est normal. Est-ce correct? Oh, ben oui. Ok, je ça, c'est une bonne journée! Si t'as besoin de médicaments, c'est moi qui les ai, les bonnes pronotions. Tu vois? Ouais. On va t'en prendre une caisse, man. On va finir l'épicerie, là! On parle de toi, justement, là. On va t'en prendre une caisse, man. Deux fois. Deux fois, là. Bonne chance, c'est mon meilleur stock. Ok, viens ici, là. Ah! Ok, je suis revenu. Ok. C'est bon. C'est l'heure de votre improvisation publique, car c'est l'improvisation du public. La prochaine improvisation et la première de cette deuxième période sera mix, ayant pour catégorie... Y a-t-il de la bière ici? Ayant pour thème, parce que la catégorie c'est improvisation du public. Ayant pour thème, y a-t-il de la bière ici? Nombre de joueurs illimité pour une durée de 2 minutes. Caucus. Avez-vous un journal? Oui.
Celui d'aujourd'hui ou celui d'il y a 3 ans? N'importe quel! C'est juste pour cacher mes affaires. Pour cacher le dernier bras qui vous reste! Allô, allô? Journal? Vous êtes en état de lire? Donc, don't drink and read, comme on dit? Hey, t'as-tu la cervoise ici? Quoi? La cervoise! On a juste la hockey! Ok, merci! On t'a-tu commandé ça? Ça va garder les clients. Je prendrais peut-être juste un petit verre, là. Tu sais, juste pour dire que j'accompagne d'une consommation. Voulez-vous du liquide dans le petit verre ou c'est simplement par la compagnie? Ah, du liquide, s'il vous plaît. Avez-vous du liquide épais? Tu sais? Du liquide épais. Ah ouais! Tu sais? Ben, ah ouais! J'ai pas le droit de dire le mot. Ils m'ont interdit. Ah ouais! Du liquide imbécile. Ça tient un soda, Rose? Ah ben, donc. Un soda? Non, un soda. Un soda, ah! Soda. Non, j'ai rien que du soda. Je parle du mal, là. Excuse-moi, ça ne sera pas long. On l'a pas, ta crise de bière. Comment? J'ai poigné un gars dans la rue et il m'a demandé si toi t'avais de la cervoise. Ouais, mais on cherche pas. Ah, ok. J'ai tant de la cervoise! J'ai réveillé. Oui, t'étais là! J'ai-tu l'air en t'es pas supposé de m'avoir ici, toi! Ben, laisse faire le soda, je pense qu'il... Ouais, ben là, il y a la partie, mais veux-tu quelque chose à toi, veux-tu un soda, maintenant? Eh, viens, vous peux-tu me débarrasser de ça? Ah, la cervoise est arrivée! Hé, t'en, mon gars! C'est ça, mon gars! Donc, public, faut s'adapter, on change de bord. Le point est la main. Comme le... okay, la prochaine improvisation sera de nature comparée, catégorie libre, ayant pour thème, ça va être froid. Nombre de joueurs illimité pour une durée de 2 minutes. Caucus. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'on pourrait vous servir? Le menu! Il est là, le menu? Oui, il est là. Est-ce que vous pourriez me pointer du doigt, s'il vous plaît, le plat que vous allez prendre? Ça sera peut-être moins compliqué. C'est parce que... je sais pas lire. Le choix du chef. Il est beau, le chef? Il est beau et il fait bien à manger. Ne soyez pas inquiet, je vous le suggère fortement. Qu'en pensez-vous? Le choix du chef. Excellent. Eh bien, un choix de chef, s'il vous plaît. Il va jouer le chef aujourd'hui, lui? Un choix de chef, pas ça vite. Ah, il prend ça, la même chose qu'hier. C'est bon, j'ai fait ça, choix du chef. Bing! Ah, c'est déjà prêt. Merci! Le choix du chef. Je vous souhaite une très bonne soirée. Rapido. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Oui, monsieur. C'est... parce que... comment vous direz ça? Ben, comme vous le sentez, comme vous le sentez. C'est comme le verre d'eau avec la glace. C'est mouillé? C'est humide? C'est... le mot, il est comme la glace. Ah, c'est froid. Oui, mais pas de problème, monsieur. Donc, pour 2 minutes, ça va être froid. Oui, fais-tu le coup Oui, le couteau, là. Oui. On va lui dire qu'on a les conséquences. Ok, ouais. Il a porté mon bâton d'hockey. Viens, veux-tu jouer au hockey, là? Attends un peu, là. On va jouer à vérité, conséquence, c'est ton tour. Prends conséquence. Ouais. Conséquence. Ok. Vas-y. Ok. Il y a le poteau qui est là. Ouais. Ok. Médaille dessus.
Ah, c'est dégueu! Mais non, mais non, mais non, c'est comme un popsicle. Ouais, pareil, pareil, même affaire. Mais est-ce qu'il faut que je dise des mots gentils? Ma mère m'a tout le temps dit que quand je mets ma langue à des places, il faut que je dise des mots gentils, ben... Oui, tu peux lui demander sa permission. Le consentement, c'est fou l'important, ma maman. Salut, poteau. Je vais te donner un bisou. Oui, c'est ça. Vas-y, vas-y. Aïe, plus fort. Ouais. Oh! Il est collé, là! Hey, hey! On va le prendre en photo, OK? L'improvisation sera de nature mixte, catégorie libre, ayant pour thème plaisir coupable. Nombre de joueurs illimité pour une durée de 3 minutes. Là, 3 minutes, gang, prenez votre temps. OK? Caucus. Donc, plaisir coupable pour une durée de 3 minutes. C'est parti. Salut! Je t'ai invité chez nous pour la Saint-Valentin! Allô? Allô? C'est un blind date, hein, parce que je t'avais jamais vu avant. Ouais. Tu vas pas l'en faire? Allez, je t'ai installé un lit de pétales de rose avec du chocolat pis avec un film de Céline Dion, devine lequel, là. Elle chante dedans, là. Every night in my dream. Allez, allez, j'imagine que tu t'en as dit. I see you. Ah! Attends, veux-tu? Attends, j'en ai... Qu'est-ce que tu fais? Celle-là, je l'ai pris il y a deux jours. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? C'est parce qu'elle est en forme de cœur. Oh, c'est cute! Oh, mon Dieu! Je l'ai apporté pour toi. Ah, c'est vraiment une belle roche. Ah, excuse, j'étais à l'envers. Ah, okay. Mais non, c'est une crotte de nez. Ça fait pour la construire, celle-là, Seigneur. Ça devrait pas de roche. Ben, je sais pas, la dure en salle. Non, moi, mais... Tu peux pas être chien? Ben oui, tu peux, mais c'est pas le gros de même. Ok. Je suis censée faire avant. Ah, mange! C'est bon! Pas trop mon king, j'ai l'impression, je sais pas. Y a-tu déjà goûté? Non, mais là, hein? Non? Prends une bouchée avant. Pour me montrer comment tu fais. Tiens, moi, je la tiens là, tu prends l'autre moitié. Ok, chin. Santé. Okay. Là, tu la sens en premier, hein? Je sais pas, hein? C'est la tienne? Un petit peu, tu peux même là, tu sais comme ça que t'es un petit peu collante dans le corps. Oh mon Dieu! Oh. Ah, je sais pas, hein? Je sais pas! Puis là, après, tu sens ta langue. C'est pas ce que j'avais vraiment fait pour la Saint-Valentin, moi, mon petit crotonné, là. Tu fais non, mais c'est surprenant! Le chocolat, tu sais! C'est dépassé, mais reste. Ah. Hey, va faire une rupture de stock! Hein? Ah. Chez nous, c'est pas mal fermé d'esprit, je trouve. En pleurant ma
Titanic qui va tenir ensemble, ça, ça va bien. Ben, mais hein! Ils tapent Jack et Rose, ils sont là! Franchement. Ben ouais. Je te dis qu'on essaie, tu sais, d'avoir quand même un peu d'intimité puis de faire de quoi d'original. Ben oui. Moi, je trouve ça original. La prochaine improvisation, je vais prendre le temps de vous l'expliquer public après l'avoir nommé, parce que je vais être un petit peu plus compliqué, quoique les habitués de la IPA ont déjà vu ce type d'improvisation. Donc, la prochaine improvisation sera de nature comparée slash mix. Donc, les deux équipes vont participer à l'impro, mais il y aura comme deux stages différents, deux conférences différentes, étant donné que la catégorie, c'est conférence. J'explique ce que c'est conférence. Il y aura un conférencier, une conférencière à l'avant. Et les membres de l'autre équipe seront dans le public. Ils vont se trouver des spots. Donc, le conférencier ou la conférencière va venir faire son spot de vente ou peu importe la nature que ça prendra pour environ 45 secondes à une minute. Ensuite, dès que la personne est prête à recevoir des questions, on va pouvoir faire donc avez-vous des questions par rapport à ce que je viens de dire? Vous comprenez jusqu'à maintenant? Oui? Les équipes, vous comprenez? Parfait. Donc, le thème de cette improvisation sera l'indépendance de Portneuf. Il y aura deux camps. Il y aura le oui et le non. Donc, je vais demander au capitaine de venir à l'avant, s'il vous plaît. Oui, je ramassais des papiers partout. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Contrant. Il nous a été présenté un projet d'indépendance de Portneuf. C'est pas une bonne idée. Nous devons rester dépendants des uns des autres. Nous devons nous rester unis, car si on devient indépendant, nous allons nous faire assimiler par la populace de la banlieue, les gens de Québec. Donc oui, on va maintenant prendre des questions. Je vous écoute. Oui, monsieur là-bas. Hey, Contrant! Oui! Moi, je suis le président de la Fédération du Club des retournages de Portneuf. On est allé de voir du monde un peu n'importe où sur notre territoire. Comment ça, vous voulez garder les étranges? Ça n'a pas de bon sens. Vous voulez rester dans notre gang? Je pense que vous n'êtes pas dans la bonne salle, monsieur. J'ai dit que nous voulions rester. On veut rester unis! Voilà! On est contre la... On va les sacrer dehors, ces gens-là! C'est ce que nous avons. Oui! Richard, président de la pêche au saumon de Portneuf, je me demande, là, les saumons, allez-vous les trier s'ils viennent pas de Portneuf? Non! Non, eux, ils sont en transit. Les saumons, mais. Les saumons, ils frayent, ils la porte, là-bas. Là, les gens d'Exil-en-Saumon qui sont pas de Portneuf vont pouvoir rentrer? Et ça va se régler tout seul. Oui, madame. Excusez, monsieur Contrant, mais vous êtes vraiment pas clair, là. OK, j'ai l'impression qu'on recule en 1995, lors du référendum du Québec, la question, on se demandait, fallait-tu répondre oui ou non? Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance de Portneuf? C'est vraiment pas clair. Vous avez mis le point dessus, on est contre, et ces années étaient splendides. On avait des leaders qui se tenaient debout. Et des gens qui pleuraient quand on perdait ce qu'on voulait. On va l'avoir. C'est vraiment pas plus clair. Mais là. Monsieur, monsieur Contrant. Oui. Monsieur Contrant, là, comme madame dit, ici présente, madame dit que vous êtes pas clair. Vous êtes vraiment pas clair. La neige. Qu'est-ce qu'on fait avec la neige? On la garde-tu ou pas si on la donne, la neige? Il va falloir passer un référendum sur le sujet, car si on garde la neige, on perd de l'espace pour notre populace. Et si on la déplace en périphérie, on bloque tous les accès, finalement. Et on reste dépendant. On va avoir le temps d'une dernière question, et n'oubliez pas, c'est le camp du contre qui est représenté à l'avant. Je trouve qu'il y avait
un argument qui avait été donné pour l'indépendance, c'était de faire un mur, puis je trouvais ça que ça avait bien du bon sens, parce que à l'extérieur du mur, ben, le dépotoir de Pont-Rouge était à l'extérieur, fait qu'on n'avait plus des problèmes d'odeur. Pourquoi vous êtes contre ça? Je viens de me percevoir que j'étais pas tout à fait le bon endroit, et j'ai acheté mes notes tout à l'heure, et j'ai les notes du camp contre nous. Ils se sont retrouvés sur le dessus. Alors, vous êtes en mesure de constater que mon discours n'a pas de sens. La décorde, Patin de patin, il faut faire l'indépendance, sacrément! Faut en faire! Vous séparez de cette gang de chapotés, là, moi, je veux tout me débarrasser d'eux autres. On va avoir juste Saint-Raymond. Pont-Rouge, puis toutes les maudites villes que je me souviens plus du nom. Parce que probablement, j'en ai trop pris! Mais c'est pas grave! C'est pas grave! Il faut se débarrasser du reste du monde. On va être juste nous autres. On va être bien. On va avoir nos rivières. On va avoir notre neige. On va avoir des affaires. Puis, on va être juste nous autres. Ça vous tente pas? Ça vous tente pas d'être bien juste vous autres, là? Juste vous autres. Okay, ça va maintenant être l'heure de la période de questions. Enlevez-vous avec ça. Venez, messieurs. Oui. C'est parce que moi, là, je passe mes journées avec juste moi, là. Puis ouais. Je trouve ça pas mal plate. Puis vous autres, vous voulez qu'on soit toutes juste nous autres. C'est plate, là. Allez voir vos voisins, madame. Comme ça, vous serez pas de ça. J'espère qu'ils vous ressemblent pas. Comment ça? Oui. Monsieur, madame. Ça va à mot, là, tout ce que t'es en train de dire. Oui. Mais moi, j'ai une question. Y'a qu'une. Ah, ouais, gars. Vas-tu pouvoir garder mes vaches? Reste ça pas! Et ça, on va en parler tantôt. Viens voir après la conférence. Ben, on va faire un deal. Correct. Next! Tantôt, vous avez mentionné les villes là, que tu voulais mentionner Port-Neuf, Saint-Raymond, puis Donnacona, eux autres. C'est ça que je l'ai dit, ils ont parti. Il n'y en a plus, mais non. Eh non, c'est trop compliqué, trop de villes. Ça me mêle trop, là. Ça pas, moi, quand on met un paquet ensemble, c'est pas grave. L'indépendance, là. Donnacona, c'est important, là. Sorte ça. Je veux rien que tu m'en poses. C'est pas grave. Sécurité. Qu'est-ce? Il n'y a pas d'autre quête. Bonjour. Je suis présidente d'une université du Québec. Avez-vous pensé que nos élèves ne seront plus éduqués s'ils n'en vont pas à l'université? Parce que ça va faire juste des élèves primaires, secondaires et après d'adultes. Hein? J'ai peut-être perdu un bout. Mais oui, c'est quoi la question finalement? Éduqués. Il y aura simplement primaire, secondaire et après d'adultes. Je vous ai perdu à... Oui? Simplement des qui vont être très mal informés et mal éduqués. Et au soir, c'est moi ou je vois des bébites? OK, on va passer à la dernière question maintenant pour les faits de qualité de cette conférence. Dernière question? On comprend rien! Mais je parle pas assez fort! Venez! Bon! Ah ouais, Gérard, pose-la ta joie le verre de question! Elle va être niaiseuse comme d'habitude. Vas-y! Je suis où? Comment t'es où? T'es en bonne place, tu sais. Pénalité de confusion! Et confusion, oh, surprise aux deux équipes! Ouais. Est-ce qu'il y aura demande d'explication? Non! Je ne crois pas! Donc on accepte la pénalité volontiers! Sur ça. C'est un personnage! Sur ça, au vote, le point à la main! Cette avant-dernière improvisation de cette première partie, de cette deuxième période, sera comparée.
Catégorie libre, ayant pour thème la secte. Nombre de joueurs illimité pour une durée de 2 minutes 30. Caucus. Donc, les jaunes, pour 2 minutes 30, ce sera la secte. Bonjour. Salut! Vous m'avez appelé pour la démonstration. La démonstration? Parfait. Installons-nous. Ça sera pas long, les invités devraient arriver bientôt. Je vous ai préparé une belle table comme ça. C'est la table, c'est suffisant. L'important, c'est le contenu, pas le contenu. Allez, vas-y. Ça fait un peu trop d'envie. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Allô. Pénétrer. Namasté. La démonstration de Power. Exactement. Exactement. Power. Oh, Power. Alors, c'est la première fois que je fais ça, moi, une démonstration de Power. Absolument. L'important, c'est le contenant, pas le contenu. Ah oh. Oh, oui, tellement d'accord. Des slogans comme ça, c'est vrai. T'as bien cherché. La balance, oui. Est-ce qu'on commence par la prière? Ah oui, il y a une prière. Oui, le signe de croix. Est-ce que vous me permettez? Oui, allez-y, commencez là. OK. Au nom du couvercle, du plat et du four micro-ondes. Tupperware! Est-ce qu'il y a un baptême, Tupperware? Est-ce que vous faites des baptêmes dans des plats, Tupperware? Oui, on a un baptême, justement, il y a mon fils! Oh, justement, le celui en forme de bébé, là, ce n'est pas anodin. Voilà. Non, d'accord. Pas anodin. Tu mets le bébé dedans? Oui. Qui est anodin? C'est le baptême de bébé. Je ne sais pas. Mais il est c'est pas anodin. Ah, Tupperware! Ah, c'est un mot de course. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'on baptise le bébé dans le plat Tupperware? Avez-vous un bébé, Tupperware? Oui. Ben oui, justement! Oui. On avait un, là. Voilà, c'est mon petit garçon. Ah, cool. Il s'appelle Anodin. Alors, comment fais-tu un baptême Tupperware? On fait la prière comme on le fait au début. Est-ce que vous réussissez à améliorer le produit? Oh non, là. Non? C'est des miracles, ces petits contenants-là. Ah, il y a des limites, on fait pas des miracles. Le contenu, on s'en fout, hein, c'est ça, OK. Voilà, on verse le produit. Est-ce que vous avez ouvert le couvert? Parce qu'il y a l'air à se produire. Ah, ouais. Oh, justement, il y a des grappes sur le côté. Ah oui, c'est parce qu'il faut qu'il prie dans le plat, puis quand il enlève l'air, il est là. Vous pouvez le remettre. Mais okay, là, il y a assez pris d'air. Oh, Tupperware! Allez, c'est tellement étanche, ça! Ah, oui. J'en veux 10 comme ça. Ah, on va l'ouvrir. Oui, je vais. Donc, pour 2 minutes 30, la secte, c'est parti. Bois. Apporte le bois. Plus vite. Merci. Pardon, maître. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous ne voyez pas? J'attire le harem! J'ai bien compris le harem? Il faut y croire! J'y crois! Regarde! Il manque un ingrédient pour faire le harem. Tu as raison! Mouchoir! Ah, oh, c'est vous! Oh! Hey, c'est elle. Ah, bonne idée! C'est la maîtresse Kleenex! La maîtresse Kleenex! Wow! Achou! 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 Mouchoir, s'il vous plaît! Achou! Mouchoir, s'il vous plaît! Achou! Moi, je me tenais que quelqu'un qui entraînait tout le temps, mais son usager fait pareil. Pouvez-vous ramasser le bois? Le bois! Ramasse le bois. Aidez-moi! Aidez-moi à rentrer! Mais... Ah, vous poussez là!
Oui! Et maintenant, non! Reste là! Reste! Elle est difficile, celle-là! Les mouchoirs de résistance! Reste au sol! On n'arrête pas d'y prendre les trois épaisseurs! Je sais pas comment vous faites, là! Help! Help! Aidez-moi! S'il vous plaît, les deux équipes. Hey, public, je veux vous annoncer quelque chose, puis on va pouvoir donner une grande main d'applaudissement à Myriam et PO qui font de l'improvisation pour la première fois de leur vie. Et, public, je vous annonce que cette main d'applaudissement de ma part était vraiment baveuse, parce que PO, tu la prends dur, mais ceci est un accessoire illégal. Pénalité aux joueurs verts. De... Donc, cette improvisation sera de nature mixte. Et aura pour catégorie banc de parc. Banc de parc, je vous explique la catégorie. Normalement, c'est un banc de parc. Mais là, moi, j'ai rajouté une twist. Étant donné que ce ne sera pas un banc de parc, mais ça reste la catégorie banc de parc. Il y aura une équipe qui va commencer. Les deux équipes vont jouer en même temps. Mais il y a un premier personnage qui va venir, par exemple, c'est l'équipe des Verts. Va venir s'installer sur le banc de parc, entre guillemets. Installer un personnage. Je mets l'accent sur les personnages. C'est très important de développer un personnage dans cette improvisation-là. Donc, chaque personne a un personnage différent dans l'impro. La première personne arrive, installe sa situation 15 à 30 secondes. Puis, une personne de l'autre équipe s'en vient. Il y a une discussion. Il se passe de quoi pendant une trentaine de secondes? Il va y avoir, soit, si ça dépasse les 30 secondes, il va y avoir peut-être un petit sifflet sourd comme ça. Là. Ça veut dire que la personne qui était là en premier doit s'en aller pour faire place à une autre personne de son équipe. Ayant pour thème, toilette mix. Nombre de joueurs, toute l'équipe, un maximum de 30 secondes par intervention. Voyons. Oh. Il faut que j'écrive, j'ai trop d'émotions. Tiens, t'as un peu de... Ah! Fudge you owl! C'est de la merde! Ouais, en plus, je suis à la toilette, y'a personne qui peut m'entendre, c'est la meilleure place. Bon, ça peut. Pas long, j'ai pas le temps, tout de suite. Ok. Bon, quoi d'autre, qu'est-ce qui me dérange? Ah oui, c'est ça. Oui, non. Ça, c'est pas bon, là. Ça, c'est pas bon. Y'a une espèce de bizarre à côté qui fait plein de bruit, weird. C'est moi qui parle. Puis il me répond en plus! Correct. Je pense que c'est genre un sumo ou quelque chose de même. Excusez, parce que j'ai travaillé sur un bateau longtemps, puis quand je fais ça, ça m'aide à lui. Ben, quand t'es ça. T'es... Ok, bye! Ah, c'est ça? ok. Ah, enfin! Girouette? Vous tu parles? On entend des voix ici. Oh! Oh, super papier! Il y a un bout de papier! T'as-tu du papier de ton bord? As-tu du papier de ton bord? Papouette? Oh, hé, hey, ça sent la marde! Ça sent la marde! Ma mère, ça sent la marde! Mardouette! Mardouette dans ma girouette, cacahuète dans mes bobettes! Je suis capable de seule! Avez-vous une rime avec wet? Hein? Wet! Madame, êtes-vous une madame? Madame wet? Il n'y a plus de papier de toilette! Toilette! Ah, oh, c'est une bonne idée, merci! Je les note toutes! Avez-vous du papier de toilette, madame? J'ai fini! Je peux te donner une feuille de mon calepin, mais c'est interdit de retranscrire! Merci, propriété madame. Privée! Hé, il me semble que c'est rude, ça!
Monsieur! Madame! Y a-tu quelqu'un? Oui, je suis là. Oui, j'ai quelqu'un ici. Oui, as-tu du papier de toilette? J'ai fini! Ouais, mais j'ai comme un problème, moi aussi, là. J'ai échappé le papier de toilette dans le fond de la toilette. Ouais, bon. Mais moi, j'ai fini. Peux-tu venir m'aider? Ben là, je peux pas. En plus que je t'ai embarré dans la toilette, je peux pas sortir. Maman! Fait que là, je sais pas quoi faire, là. Maman! Hey, mais t'aurais pu me laisser quelque chose, au moins, là. Oh! Hey! Y'a-tu quelqu'un dans l'autre toilette? Hé, j'entends des voix, mais comment? Y'a-tu quelqu'un? Ouais, ben oui, je suis là. Ouais, coucou, hey, t'aurais-tu quelque chose? J'suis animé partout. Je suis vraiment mal pris, là. T'aurais-tu de quoi à me passer pour que je puisse finir ma job? Ouais, tu peux, s'il te plaît? J'ai comme oublié mon papier de toilette, il est tombé dans la toilette. Déjà qu'il y a rien ici, puis j'ai tout beurré, là. Y'en a partout, là. Ouais, ben, c'est à la barouette, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, hein? On est mis mal pris, pas mal. Et maintenant, il y a quelqu'un qui va passer pour nettoyer. Ben, j'imagine, moi aussi, là. Mais, je vais pas finir la job. Je pense que. Ouais, en plus, ça s'entend dans le mec, en plus. Rayon de baptême, ça sort plus. Au moyen, je suis en peine. Excusez! Rayon, il est où? Voyons. Bon, ben. La merde, je pense. Avez-vous besoin d'un plombier, ça? J'ai été calé comme quoi il manquait de papier de toilette puis c'était bouché. Ça sent vraiment la merde aussi, calé. C'est quoi ça? Hey! Ouais, il manque du papier! Ouais, moi j'ai emmené mon débouche toilette, là. Je vais se fourner ça. Ouais. De détente. Moi, à l'église, tu comprends, je ne peux pas m'asseoir sur un trône. Mais aujourd'hui... Toi, t'as-tu le cul dans l'eau? Mon homme, nous finissons tous dans l'eau. Il n'y en a pas de problème. Oh, t'avais raison. Accepte l'eau. Moi, me laisse aller dans l'eau. C'est l'eau qui t'a créé. Moi, je suis content de pouvoir discuter avec toi, mon enfant. Que c'est chaud! Pour l'équipe, l'hiver!